Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, on se retrouve aujourd'hui pour une carte partenariat Innovart. On va faire une carte avec ce die, le Poinsettia que j'avais reçu. Alors, on n'est plus à Noël, mais du coup, voilà, ça va être une petite carte vraiment très rapide. Vous allez voir. Alors, j'ai pris une base de carte craft qui mesure 22 sur 16. Voilà. Ensuite, j'ai pris un morceau d'un bloc d'action comme ceci qui mesure 15,5 sur 10,5 que je vais venir coller ici. Par contre, j'ai oublié quelque chose, je reviens. J'ai oublié de préparer. Ben, l'encre pour ancrer mes bords. Donc j'ai pris la 10-13, la Distress Vintage Photo. Donc on va un petit peu, voilà, on va venir coller. Alors, ah, bon, je sais que c'est plus la période de Noël, mais c'est pas grave, j'ai reçu le die. La moindre des choses, c'est que je fasse quelque chose avec. Donc, c'est vraiment une carte très rapide. Parce que je vous avoue que je suis plus dans le mouvement de Noël. Donc, c'est un peu compliqué, mais voilà quoi. On fait avec. Ensuite, j'ai pris une carte prédécoupée, en fait. Un morceau de papier prédécoupé que j'avais eu dans un bloc d'action. Un bloc avec des... tout ce qu'il faut pour faire des cartes, voilà. Donc, ce morceau, il mesure 14 sur 9,5. Donc, je vais venir dessus coller un petit banc de dentelle comme ceci. Dans ce sens-là, on va prendre... bon, il va falloir que je fasse une petite commande de colle et de double face parce que... on parle de plus en plus d'un reconfinement. Donc, ça commence un peu à me faire peur parce que j'ai pas beaucoup d'avance au niveau de la colle. Et je me dis, si on est tous reconfinés comme ils parlent, ça va être compliqué. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Voilà, je raconte des bêtises et je fais n'importe quoi. Ma dentelle... oh, elle est un peu grande. Hein. C'est pas mon ciseau, ça. Hop. Alors, hop. On vient rabattre derrière. Et on va faire... j'ai vraiment coupé grand, je sais pas pourquoi. La même chose de l'autre côté. Là, je vais couper parce qu'on voit la dentelle qui dépasse. Mon ciseau est dégueulasse. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon poinsettia. J'arriverai jamais à le dire. Donc, j'avais déjà tout assemblé pour vous montrer. Pour vous montrer l'ouverture du colis. Donc, je vais le coller ici sur ma dentelle, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce die. Merry Christmas. Donc, c'est celui-ci. J'utilise souvent ces dies de ce Studio Light, là. Ce set de die, j'utilise souvent. Donc, on va faire une petite découpe. J'ai pas... si, là. De Merry Christmas dans le même papier que mon papier de fond. Donc, celui-ci. Hop. Il n'y a rien de sorcier, hein. On peut même pas appeler ça vraiment un tuto parce que c'est vraiment du rapide.
Tout le monde peut le faire. Hein. C'est une carte débutant très simple. Hein. De toute façon, c'est ce que j'aime. Donc, vous le savez maintenant. Donc, voilà. Si vous cherchez des tutos sophistiqués, c'est pas chez moi qu'il faut venir. Parce que moi, j'aime la simplicité. Voilà. Donc, je découpe mon petit die. Hop. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Je suis chaude. On va le sortir de là. Hop là. Hop. Voilà ce que ça donne. Hein? Je rangerai ça après. C'est pas très grave. Donc, je vais prendre ma base là parce que j'ai oublié de l'ancrer. Donc, on met un petit peu d'encre pour lui donner vraiment un côté vintage. Hop. Ah. Ça va faire un petit peu de bruit. Je ne sais pas si vous allez entendre. Mais... c'est le ramassage des ordures ménagères. Voilà. J'enlève les petits bouts de dentelle qui dépassent. Ça n'est pas très joli. Voilà. Ensuite, nous allons venir coller notre Merry Christmas comme ceci. Comme on ne peut pas le mettre en 3D parce que c'est vraiment une découpe fine, on va prendre, j'ai mis mon petit flacon, voilà, encore une fois, je l'ai perdu. Qu'est-ce que je m'énerve. Bon, ben, je vais pas retrouver mon petit flacon, donc je ne sais pas où je l'ai mis. Je reviens, je vous mets sur pause deux petites secondes. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, on va venir coller le Merry Christmas. Je range jamais les affaires où ils doivent être rangés. Par exemple, là, il était dans... bon, il était pas loin de sa place habituelle. Il était dans le panier des doubles faces au lieu d'être dans le panier des cols. Du coup, voilà. Nous allons coller le Merry Christmas. Ah, j'ai oublié de prendre des... aller chercher des petites perles 3D. Je vais encore vous mettre sur pause. C'est pas grave, vous en fichez en fait. Vous ne remarquez pas. Mais... on va mettre des petits flocons de neige comme ça en bois. J'avais eu dans le calendrier de l'avant que j'ai fait avec Sissi, elle m'a envoyé des petites scénettes de village à monter. Donc je les ai montées. Par contre, j'avais pas mis... il y avait des petits flocons à coller à droite à gauche. Je ne les avais pas collés. Je les ai gardés. Et voilà. Donc, je vais chercher quelques demi-perles et je reviens. Voilà. Je suis allée chercher des petits strass dorés. Enfin, dorés, orangés, je pense. Que l'on va venir coller. J'ai envie d'en coller sur les... hop. Hop. Voilà. Moi, j'aime bien mettre des strass partout.
voilà. Donc, je vous mets bien entendu tous les liens en barre de description pour retrouver le produit. Donc, le produit, c'est celui-ci, le Dye Poinsettia, que vous avez vu. J'ai fait la découpe avec vous dans la vidéo de présentation. Je vous remettrai le lien en barre d'information. Hop. Et ensuite, voilà. Alors, ça nous donne ceci. Hop. On va venir la mettre en 3D là-dessus. Ben, voilà, le 3D, il n'est pas dans le bac des 3D, il est dans le bac d'école. Voilà, pas grave. Donc, on va mettre, comme ça. On va mettre, j'aurais dû, je sais pas ce que j'aurais dû faire. On va mettre comme ceci. Oh. On va remettre ici. Ouh, c'est pas droit tout ça. C'est parti en cacahuète. C'est pas grave. On va remettre ici. Voilà. Pour que j'achète ça aussi, des 3D. En rouleau comme ça, mais autre que celui d'action. Voilà. Et là, par-dessus, je vais venir, si j'arrive à me décoller, à mettre un peu de colle. Hop là. Et maintenant, je vais venir coller sur ma carte sans me planter parce que le 3D a pris. Voilà, ça, je l'avais vu venir. Oh, pétard. Comme ceci. J'aurais peut-être même dû mettre double épaisseur de 3D pour que ça fasse un peu plus. Mais bon. Voilà. Cette carte est terminée. Je vous avais dit, ça va être rapide. Mais voilà, je la trouve plutôt jolie. Donc, je suis très contente. Elle servira pour l'année prochaine, à maintenant, bien entendu, parce que là, Noël... C'est fini. Voilà. Allez. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.